Hello! J'espère que vous allez bien. Je vous amène avec moi dans mes balades parisiennes. C'est parti! Direction Gare de Saint-Denis, j'ai acheté mes chips de plantain épicé. Et là, je vais prendre les transports. Comme je ne pouvais pas prendre la grosse, j'ai pris que des rolls de babka. Miam miam. Alors, j'ai pris toutes les provisions que je devais prendre pour manger. Je vais commencer l'itinéraire que je m'étais prévu, c'est-à-dire de visiter le 19e arrondissement. C'est parti! Alors j'ai le choix entre prendre l'escalier et aller droit où je veux aller et faire un détour par la rue. D'après vous, qu'est-ce que je vais choisir? Allez, l'escalier. Premier spot de ma balade dans le 19e, la butte bergère que je ne connaissais absolument pas, et c'est vraiment magnifique. Les façades sont jolies, il y a un petit air de village dans ce quartier du 19e, et la vue est magnifique. On a une super jolie vue sur Montmartre. Je pense pas pouvoir vous montrer ce que mes yeux voient à travers mon téléphone parce qu'il n'est pas assez puissant, mais croyez-moi, c'est vraiment joli. En tout cas, vous avez trois petits enfants, trois arrières. Trois petits enfants. Ouais. Et trois arrières. Waouh. Pas belle la vie. Ouais, bah, elle est très belle la vie. De quel pays? Je suis du Gabon. Ah d'accord. Bonne gabarit. On me dit que je ressemble à plein de gens. Bah oui. Je dois avoir des doubles partout dans le monde peut-être. Je vais pas t'en charger, si t'as... Merci beaucoup. Bonne journée, madame. Alors, bonne continuation. Merci. Au revoir. Petite anecdote de la balade. Je marchais dans l'une des rues et je vois qu'il y a une dame qui est à sa fenêtre et je lève les yeux et je lui dis bonjour. Et là, on engage une discussion. Ne me demandez pas pourquoi et comment, je suis comme ça. Et dans la discussion, elle m'explique en fait que elle travaillait chez L'Oréal dans les années 80 à tout ce qui était test de produits sur cheveux crépus. Grande coïncidence. Et donc on parle de cheveux crépus, on parle d'entretien par une femme blanche qui a des enfants métis et tout.
Bref, c'était assez intéressant en 5 minutes. Mais voilà. Faire du lien avec des inconnus, c'est pas mal aussi dans les balades. Deuxième spot, le quartier de la Mouzaïa, toujours dans le 19e. C'est parti! Petite rue sent super bon, j'imagine que c'est grâce à cette jolie glycine. Mais c'est magnifique, c'est trop joli. On a l'impression d'être dans un... On n'a pas l'impression d'être à Paris, c'est ce que je veux dire en fait. Donc, si j'ai une maison un jour, je veux des glycines et des magnolias, les deux, oui, les deux. Ma balade dans le 19e est terminée, j'ai ma batterie qui va mourir en plus, je vais chercher à me poser dans un parc, manger et bouquiner. À bientôt.